Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message ou les énergies de ce jour. Nous sommes mercredi 21 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, affirmation positive, j'ai de la gratitude pour tout l'amour que je reçois tous les jours. Aujourd'hui, j'ai piger, croire. Croire est la deuxième étape du processus de manifestation de votre désir. Je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous devez croire que vos désirs, vos souhaits ont déjà été exaucés. Si vous voulez les voir se manifester concrètement dans la matière et dans votre vie. En fait, ils sont exaucés au même moment où vous les demandez. Ils existent déjà au niveau vibratoire. L'univers vous donne instantanément ce que vous désirez à temps voulu et en y croyant très très fort. Votre foi, n'est-ce pas, en votre propre pouvoir de création, eh bien, elle doit être inébranlable. On vous invite à croire en vous. Pourquoi ne croyez-vous pas en vous? Parce que vous ne vous faites pas confiance? Parce que, à cause des croyantes, des croyances limitantes, peut-être que en étant enfant, on vous a dit de « tu ne feras jamais rien de bon, tu ne seras jamais rien ». Croire en vous, c'est important. Ayez cette certitude intérieure qu'au moment même où vous demandez quelque chose, n'est-ce pas, eh bien, cette chose est déjà présente dans votre vie. Qu'elle est là? Qu'elle est là tout près de vous, qu'elle arrive vers vous. L'univers, il n'attend que le bon moment pour vous l'envoyer. Et pour cela, eh bien, vous pouvez vous visualiser étant la personne que vous souhaitez être. Vous visualisez cette personne, c'est-à-dire que vous visualisez et en ayant obtenu ce que vous voulez, en utilisant, n'est-ce pas, tous vos sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, afin de ressentir, eh bien, toute la satisfaction et toutes les bonnes émotions, comme la joie, le bonheur, d'avoir réussi. Faites comme si vous aviez cette chose. Faites comme si vous étiez cette personne. Et remerciez, n'est-ce pas, d'avoir obtenu ce que vous désirez. La gratitude, waouh, oui, la gratitude. La gratitude, c'est une émotion extrêmement puissante, qui permet d'élever, eh bien, vos vibrations afin d'être sur la même fréquence que ce que vous souhaitez. En faisant tout cela, eh bien, vous allez nourrir votre désir, vous allez alimenter ce que vous désirez et vous l'alimenterez en énergie. Alors aujourd'hui, décidez de vous comporter comme si, ben oui, comme si, vous aviez déjà ce que vous voulez. Vous savez que la pensée est très très importante, donc visualisez, ayez confiance en vous, croyez en vous, croyez en vous, ayez foi et confiance en vous.
Alors aujourd'hui, comme affirmation positive, je suis sûr et certain d'obtenir ce que je veux. Et au plus profond de vous, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai cette certitude intérieure que l'univers a déjà répondu à ma demande. Et je m'attends à ce que de bonnes choses m'arrivent chaque jour. Et en ce moment même, j'attire à moi ce que je désire. Et je terminerai par « Je suis reconnaissant pour toutes les belles choses que j'ai déjà et toutes celles qui arrivent vers moi et j'ai confiance. » Confiance en l'univers et je sais qu'il me donne ce qui est bon pour moi. Les doutes et les craintes disparaissent maintenant, présentement, et laissent place à la confiance et la foi. Très très beau message, n'est-ce pas? Waouh, croire, il faut croire. Alors, je termine par le petit message des fées. Et aujourd'hui, la fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.